Salut tout le monde, c'est Xander. Et on se retrouve pour l'épisode 4. L'épisode 4, hein, du charbon. Sale bête, tu spawn où? Encore du charbon, ça c'est cool. Alors j'ai été ranger un petit peu l'inventaire, hein, histoire de faire de la place. Récupérer des torches, un peu de nourriture. Voyez qu'il y a pas mal de charbon. Pour le charbon, ça va. Il n'y a pas de souci pour ça. J'avais fait du charbon de bois déjà. Et il y a pas mal de charbon dans les environs. Ouais, il y en a vraiment pas mal. On va pas tout prendre là. On va rentrer. On va retourner à l'intérieur. Voilà. Tout doucement. On profite, on se dépêche. Voilà, avant d'activer un générateur. Voilà, donc on va essayer de monter. On avait vu un coffre, hein, juste là. Ouais, donc on va remonter là où se trouve notre ami, le bonhomme de neige. On va regarder. C'est juste là, hein. C'est derrière l'obsidienne, je pense. Regarde un petit peu. Oh, c'est même pas derrière. Où est-ce qu'il est passé? Ah, il est là. Salut! Alors, c'est où? Vois même pas où c'est. C'est là, non? Je crois que j'ai vu un générateur juste là. Bingo! Alors il est où ce coffre? Il est là, il est là. Ouais, on peut pas passer à côté des barrières. Voilà, vu qu'elles ont une hitbox différente. Les zombies juste là du creeper en dessous. Ah, on est mort, on est mort, on est mort, on est mort. Non, on est encore en vie, on est encore en vie. Cours, cours, oh, les escaliers. J'ai pas compris là. Pourquoi t'as... Et il y a notre coffre juste là, non? Ouais. Viens, voilà. La plupart sont déjà affaiblis. J'ai cru voir un autre coffre. Des bottes, comme la dernière fois. Je suis passé à côté de ça. Je suis passé à côté quand j'ai foncé tout à l'heure. Ouais. J'ai entendu un autre zombie, ce qui est un générateur par hasard. Peut-être du spawn naturel, ça. Ouais, ça a l'air d'être du spawn naturel. Ouais, non, non, Creeper, tu peux rester où tu es. C'est blindé. Je peux, s'il te plaît. Ah, c'est Liane. Elle a un effet rose. Je sais pas c'est quoi l'effet rose. Ouais, c'est les mêmes que les autres. Je vais pas les prendre. Je vais les laisser là. Mettre une torche pour montrer que j'ai déjà vu. Alors pour l'autre coffre, en fait, je voulais lire, hein, ce qui était écrit. Ban of Spiders. Ok, donc c'est un bannissement des arthropodes. Pas besoin de descendre, mon gars. Tout va bien. Tout va bien. Tout va très bien. Alors, je sais pas pourquoi je suis tombé alors que j'étais en mode. On va rentrer et regarder ça. Alors c'est quoi? Can only attack spiders. Ah, il a fait en sorte qu'on puisse. Voilà. Je vais pas l'utiliser. Je vois pas trop l'intérêt. On va la mettre de côté cette épée.
Il n'y a rien d'écrit sur la pancarte, non? Ok. Vais mettre de la lumière, voilà, pour éviter que ça spawn là où je me trouve. Voilà. Ok, et là il y a un autre coffre. Tout va bien, le bonhomme de neige. Tout va bien. Là. Tout va très bien. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voilà. Un autre générateur juste là. C'est nickel. Alors, hop, hop. Servira à rien, je pense. A déjà manqué de blocs. Salut. Aura de feu 10, ah, c'est mignon, mais c'est en bois. C'est en bois. Elles nous laissent de jolies choses, mais elles servent pas à grand chose en fait. Hein. Quand un spawner, vraiment partout. Bon, je suis censé aller où moi dans tout ça? Parce que je vais probablement aller en bas quelque part, certainement pas tomber là. Ça a l'air d'être des bébés, ça. Ah, ça a l'air d'être des bébés araignées. Des araignées empoisonnées. Ah, si jamais on doit s'en approcher, il faudra qu'on se dépêche. Ah, lui, il tourne en rond. Voilà. Tranquillement. Une torche là-bas. C'est pas moi qui ai posé celle-là. C'est pas moi qui ai posé ces torches. Et... Ah non, j'ai cru qu'il y avait un trou dans le plafond. Ok. On doit certainement descendre, il doit y avoir quelque chose en bas. On va redescendre. Bonhomme de neige qui s'amuse à tournoyer. Sert à rien cette épée. Ouais, on va tester celle-là. Viens ma belle. Viens voir par là. Viens goûter à la pointe de mon épée. Tant pis. Tu veux? Ah, faut savoir ce que tu veux. Ouais, c'est du 4, hein, forcément. Ça fait de sacrés dégâts sur les araignées. Ouais, hein, il faut qu'on descende et qu'on aille éclairer à fond. Yo, salut! Non, sérieusement? Creeper! Creeper! Ah. C'est une cochonnerie. C'est quoi comme effet? C'est un effet lenteur, ça. Pourquoi il met du lenteur sur les araignées? Peut-être des effets de potions aléatoires. Pas le moment.
Ah, ça a spawné. Ouais, elle meurt là-dedans. Quand elle tombe là-dedans, elle meurt. Donc il faut surtout pas qu'on tombe nous-mêmes. J'aurais pas assez de torches. Ah, spawn pas. Oh, toi, ta force. Le rouge, c'est force. Êtes si mauvaise que ça. Ah non, c'est le. J'ai cru voir un squelette. C'est la. C'est l'épée qui donne un effet de lenteur. Non, non, non. Ouf. J'ai failli tomber là. Qui donne un effet de lenteur aux araignées, apparemment. Quand je les frappe. Avec. On va essayer. Non mais. Ah. Est-ce qu'elles sont bêtes? Est-ce qu'elles peuvent être bêtes? Les squelettes, par contre, sont ennuyeux parce que quand ils sont dans l'eau, ils avancent plus, bougent plus. Ils stagnent. Très ennuyeux, ça. Un coffre. C'est difficile hein, quand même, je trouve. On est qu'au début en plus. On est qu'au début. Bon, ce coffre. Ce coffre était juste là. Il n'y en a pas d'autre? Non. Boule de feu. Oh, protection contre les explosions. D'accord. Ça me protégera. Probablement mieux. Voilà. Non, par contre, vraiment, on est censé aller où? Pas censé aller là-dedans quand même. On est censé traverser la lave? Mais censé faire quoi? C'est un bébé, ça. D'où tu viens? Y avait une échelle ici, à l'origine. Ouais, je crois qu'on va regrimper. Hein. J'ai déjà l'inventaire quasiment plein. On va essayer de grimper juste là. Ah, est-ce que j'avais bien placé cette échelle à l'origine? Oh non, 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 pas du tout. Ici. Je vais y arriver. Ce serait le bloc qui est là. L'impression qu'elle me voit, qu'elle essaie de m'attraper. Ouais, je vais le casser celui-là, parce que sinon. Celui-là aussi. Phew! Alors niveau torche, ça va. Niveau nourriture, ça va. Regardons un peu les blocs qu'on a. On n'en a pas des masses. Et on n'a plus d'échelle, hein, je crois. Non, on n'en a plus. Salut. Donc, voilà. Voilà. Ok. Ensuite, ça. Comme ceci. Il y a l'air d'avoir des choses là-bas.
Mais je me demande si on n'a pas déjà passé une boîte là. J'espère pas. J'espère pas. Tu viens? C'est quoi ça? C'est des générateurs, mais on voit pas ce que c'est. Utilisez plutôt l'épée en bois pour ça. C'est du creeper. Tu viens? Allez, je suis là, tu me vois normalement là, non? Voilà. Creeper, je vais t'enlever, hein. T'es dangereux. Wow. Ouais, on vous enlève. Autre chose. Ok. Ceux-là, je vais les laisser. On sait jamais. Si jamais je dois faire de la TNT et qu'on a du sable pour ça. Vous voyez, on a. Ah, tiens, j'ai oublié de le mettre. On a très peu de sable. Hein. Vraiment très peu. C'est quasiment les uniquement les blocs de sable pour ça. C'est une intersection, ça. Araignée, araignée, encore et toujours des araignées. Ouais. Enchanted Laser Gear, d'accord. C'est un équipement en cuir enchanté. Voilà. Allez. Le problème c'est que comme elles sont là, comme elles sont sur le côté, les générateurs sont sur le côté, c'est difficile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les attirer, les araignées là. Ouais, c'est bien, viens. Le plus loin possible des générateurs et après on fonce et on les désactive. Ouais, allez, on va le faire tout de suite. Hop là. Bien sûr, des invisibles, normal. Au moins, c'est pas des araignées empoisonnées, celles-là. Voilà. Nickel. Bonjour Creeper. On est bon. Phew. Ok, voyons ce que c'est. Tranchant 1, recul 1. Wesh, j'ai une meilleure épée que ça. Hop. Voilà, j'ai déjà l'inventaire quasiment plein. Faudrait un coffre de l'End, un coffre du néant. Ouais, un générateur. Ok. Ça l'arrêtera pas. Il y en a un deuxième là-bas. Ça l'arrêtera pas, mais ça le ralentira un peu. Voilà. C'est de la brique, ça. Ça ressemble à une fleecy box. Il y a généralement de la brique, comme on a vu sur celle de tout à l'heure. Il me semble qu'il y avait de la brique, je suis pas sûr.
Maintenant que j'y pense. Ah, ça spawn comme pas possible. Ouais. Le mieux c'est de s'en aller, de revenir. On va refaire comme avec les araignées. Voilà. On va s'en aller et on va revenir. Et on va foncer. Alors, coin droit et coin gauche supérieur. Souviens comme ça. Ok. Patiente un petit peu. Puis on fonce. Espérons que la moitié d'entre eux au moins est disponée, ce serait bien. Non, pas un seul. Ah, ils vont m'embêter, ceux-là. Oui, explose. Explose, c'est bien. Oh. T'as pas enlevé la torche, hein, c'est tout ce qui compte. Voilà. Voilà. Si tu pouvais exploser à côté, ça m'arrangerait. Ouais, ça ressemble à une Flitty Box, mais en dessous de l'eau. D'habitude, elles sont bien visibles. Justement pour qu'on ne passe pas à côté. Ouais, parfait. T'es un bon. Donc, sacrifice n'aura pas été vain, Creeper. C'est bien. T'es un bon Creeper, toi aussi. Ouais, je suis perdu là. Va falloir qu'on creuse là-dessous. Ça ressemble à une Flissy Box, hein. Il y a de la glow, il y a de la brique. Ok. Voilà. Ça va être long, c'est de la brique. Et puis d'échelle, par contre. Je peux en refaire, il me semble que j'ai. Oui, bingo. Oh yeah! C'est bien de mettre de l'obsidienne autour. Généralement, on fait en sorte qu'elle soit visible, que tout le monde puisse les trouver. Orange. M'attendais à de la laine blanche. Ok. On va en prendre. Disons 3. Voilà. Qu'on va se faire rapidement. Ok. On va se faire, disais-je donc. Voilà, des échelles. C'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Hop là. Ouais, non, hein. Moi je vous le dis, généralement. On fait en sorte qu'elle soit facile à trouver. Pas qu'elle soit au milieu d'un truc. Bon, on voit la brique, mais encore faut-il savoir que souvent elles sont en brique. Tous les joueurs ne le savent pas forcément. Ouais. Et puis là, j'ai pas trouvé d'intersection. Hein. Va falloir qu'on. Je vais probablement faire ça en off. On va retourner à la base. On va retourner à la base. Je t'ai fouillé, toi. Oui? Ou pas? Ouais, c'était l'armure. Ok. Donc, on a trouvé celle-ci. La orange. On va pouvoir la placer sur le monument de la victoire. Je vais te mettre là. Si toutefois on meurt pas sur le chemin. Ouais, hein, il faut qu'on trouve une intersection. Ce bazar. Ouais, faut qu'on trouve une intersection là pour le reste. Ça doit être dans ce bâtiment hein, quelque part, ou alors c'est en haut. C'est en haut. Ah. Ouais, ça doit être en haut. Ça doit être en haut, au niveau là où on entendait des zombies peut-être. Ouais, ça doit être là.
Ça doit être là. On ira voir ça. On ira voir ça. Ah, et la nuit tombe. Super. C'est très beau. Orange. Orange, orange, orange. Tadam! Upgrade! Ah, par contre, il nous manque la blanche. Et la blanche, c'est normalement la première qu'on trouve. J'ai dû passer à côté. En tout cas, ça y est, on a déjà de laine orange et noire. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, hop, sur cette pomme de terre cuite, que je vais conclure l'épisode 4. Merci d'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine. Salut!